Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir une femme qui a eu un bébé qui n'était pas heureuse, mais abattue, fatiguée? C'est pas rare, c'est le baby blues. Ça vient généralement entre le 3e et 6e jour après l'accouchement. Les auteurs disent que ça concerne entre 30 et 80% des femmes. 80%, ce serait 4 femmes sur 5. Elles se sentent alors tendues, abattues, fatiguées et ont très souvent envie de pleurer sans en connaître la raison. Et ça disparaît à nouveau au bout de 4 à 7 jours. Et peut passer aussi tout à fait inaperçu. Mais il y a aussi une autre forme d'humeur instable avec un sentiment de découragement qu'on observe dans les 2 à 8 semaines après l'accouchement. Mais ça peut aussi faire directement suite à un baby blues avec des maux de tête, des maux de ventre et surtout une peur absurde de faire mal à son propre bébé. Ça, c'est la dépression postpartum. On la trouve chez une femme sur 7 ou sur 10. Donc ce n'est pas vraiment rare que cela arrive. C'est ce qui est plus rare, c'est la psychose postpuérpérale qui se manifeste dans les 2 premières semaines après l'accouchement avec un syndrome confusionnel, anxiété, agitation et des idées délirantes. La dépression postpartum, elle est caractérisée par des troubles du sommeil, un ralentissement psychomoteur avec des difficultés pour se concentrer, des trous de mémoire et difficultés à suivre une conversation, une altération de l'appétit, une envie de pleurer tout le temps et de la fatigue permanente, une sensation d'épuisement, un manque de choix, une sensation d'être malheureuse, des difficultés à penser et agir, un retrait social, une altération de la perception de soi et des autres, une sensation d'incompétence et d'échec, ne pas être une bonne maman, un sentiment de culpabilité, de l'angoisse, un manque d'intérêt pour soi-même et pour le bébé, ou par contre une préoccupation excessive pour le bébé, une crainte de faire du mal au bébé, des changements d'humeur fréquents et des idées suicidaires. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir une dépression postpartum? L'important, c'est déjà de dormir, de se reposer, assez dormir et trouver des moments de détente, savoir aussi confier son bébé à une personne de confiance pendant quelques heures. Boire des boissons chaudes comme des tisanes, écouter la musique douce, s'allonger confortablement sur son canapé et écouter les besoins de repos de son propre corps et se reposer également pendant la journée quand le bébé dort. Puis, c'est important de manger sainement, équilibré, c'est-à-dire ne pas trop rester longtemps sans manger, manger de façon variée. Et faire l'exercice avec modération. Ça peut être du yoga, de la gymnastique douce, aller à la piscine, faire des marches et rester en contact avec son milieu social, son réseau social, c'est-à-dire appeler les amis, aller se promener avec son bébé en poussette, rencontrer d'autres mamans. Et, très important, prendre soin de soi-même, se regarder à nouveau dans la glace, prendre le temps pour s'habiller, aller chez le coiffeur, se maquiller. Si tout ça ne suffit pas, on peut chercher l'aide d'un psychothérapeute.